Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, rien. Comment ça, rien? Mais si, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi, j'ai vraiment pas envie de parler, là. Allez, veux-tu me confier? Vous êtes ici sur le banc de la confidence. Confidence. Bah, moi, c'est simple. Ma femme pense que je la trompe. Mais c'est pas vraiment le cas. Vous savez ce qu'on dit? Quand on aime, on ne compte pas. Et puis non, en vrai, j'ai trouvé un nouveau boulot. Mais mon boss arrête pas de me dire qu'il faut que je change d'apparence. Et c'est vrai. Regardez à quoi je ressemble. Je ressemble à rien. Ah ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous trouve magnifique. Et je vous trouve incroyablement bien habillée comme ça. Ne changez rien. Vous êtes beaucoup trop gentille, vous. Vous voulez peut-être me pécho, vous. Non, non, mais sérieusement, il faut vraiment que je soigne mon apparence. Sinon, mon patron va pas apprécier. Mais sans indiscrétion, vous faites quoi comme profession? Je n'ose pas en parler. Allez, pouvez tout me dire. Vous avez déjà oublié? Vous êtes sur le banc de la confidence. Je travaille dans l'industrie du X. Waouh, l'industrie du X? Mais c'est une bonne situation, ça. Ah oui, c'est une très bonne situation. Et on fait plein de rencontres. Putain! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à imaginer pourquoi mon patron veut que je soigne mon apparence. Non, pas du tout. On m'appelle le pur sang des Alpes sur le tournage. Elle est énorme. C'est moi le king. Vous savez, ce n'est pas moi qui vais vous juger sur la taille. Hein. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Elle est toute petite. Ça fait rien. Elle est gigantesque. Ça fait rien. Et puis tout ce qui est petit est mignon. Elle est de taille normale. Arrêtez maintenant, c'est gênant. Répétez après moi. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Voilà. Douce nuit. Faut que j'y aille. Ma femme va me tuer.